وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteur d'Allah, Allah tabarak wa ta'ala a fait de la vie et de la mort, a créé la vie et la mort pour nous éprouver, pour éprouver lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Il a fait que cette vie de ce bas monde est un passage et que la vie de l'au-delà est la vie ou de félicité ou bien de châtiment qui est la vie éternelle et la vie qui demeure, la demeure éternelle. La mort est une créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée qui va toucher tous les fils d'Adam et toutes les filles de Hawa. La mort est une réalité à laquelle personne ne peut échapper et qui ne prévient pas avant de venir. Et par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait la vie et la mort, malgré la mort et malgré tous les gens qui partent autour de nous, malgré cela, nous sommes encore dans l'oubli et dans l'insouciance et dans le délaissement de nos obligations religieuses vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, certes, chaque âme va coûter à la mort et vous recevrez votre pleine récompense le jour du jugement dernier. Celui qui a été éloigné du feu de l'enfer et qui fut entré au paradis, c'est certes lui qui a réussi. N'est-ce pas que ce bas monde est un amas d'illusions? Allah tabaraka wa ta'ala a dit, la mort dont vous fuyez, certes elle va vous rencontrer, puis vous serez retourné à celui qui connaît le caché et le visible, et il vous informera de ce que vous faisiez comme action. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans le sens des versets, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous êtes dans des forteresses bien gardées ou bien dressées. C'est une réalité que même le plus grand mécréant du monde ne peut nier, la mort. Et cette réalité-là, personne ne peut aussi connaître à quel moment elle va arriver. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit en bonne santé, en mauvaise santé, jeune ou âgé, malade ou en bonne santé, qu'il soit des pays riches ou des pays ou bien d'une classe sociale élevée ou d'une classe sociale basse, qu'il soit arabe, français, africain, chinois, quoi qu'il soit, la mort l'atteindra. Mais l'important, c'est de savoir qu'avons-nous préparé pour ce jour-là. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand il a été questionné, ô messager d'Allah, qui est le plus intelligent parmi les gens? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celui qui se rappelle le plus souvent de la mort et celui qui s'y prépare le mieux. Celui qui se rappelle le plus souvent de la mort et celui qui s'y prépare le mieux. Voilà les gens intelligents qui sont partis avec les honneurs de ce bas monde et les récompenses de l'au-delà. Donc, ce hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah. Donc, le plus intelligent, ce n'est pas celui qui a le plus de commerce, ou bien qui a amassé le plus d'argent,
ou qui a réussi à se faire le plus de célébrité, ou le plus d'amis, ou à avoir voyagé dans les quatre coins du monde, tout ceci auprès d'Allah n'a pas la valeur d'une aile de moustique, si ce n'est pas utilisé dans l'obéissance d'Allah. La personne qui a amassé toute sa vie de l'argent, quand il va mourir, il va regretter cet argent, sauf s'il l'a utilisé dans le bien, dans les liens de parenté, dans les obligations, dans les dépenses obligatoires, la zakat, les dépenses vis-à-vis de ses enfants, de sa femme, de ses parents, de ses proches, des voisins, des gens nécessiteux, dans les bonnes œuvres, à droite, à gauche, devant lui, derrière lui. Celui-là, son argent sera bénéfique pour lui, car il l'a utilisé, il l'a, Inch'Allah, acquis d'une manière licite et il l'a utilisé de la meilleure des manières. Nous sommes aujourd'hui pris dans le quotidien de la course derrière les choses. Qui d'entre nous pense tous les jours à la mort? Qui d'entre nous se demande des comptes, à savoir est-ce qu'aujourd'hui les œuvres qu'il a faites sont des œuvres qui plaisent à Allah? Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui, si quand il meurt le soir, car chaque personne meurt le soir, quand on dort, on meurt. Et quand on se réveille, Allah nous ramène à la vie, il nous rend notre âme. Donc quand on meurt le soir, on ne sait pas si on va se réveiller le matin. Qui d'entre nous se sent prêt à partir quand il se couche le soir? Qu'il n'a rien à devoir à personne. Qu'il n'a pas d'oppression envers quiconque, et avant cela qu'il a fait ses devoirs envers Allah, envers ses proches, envers les gens en général, que ce soit ses devoirs dans sa religion, donc vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son messager, vis-à-vis de la religion, de sa connaissance et de sa pratique de la religion, ou bien ses devoirs vis-à-vis de ses proches ou de ses voisins ou des gens avec qui il vit et il habite ou qu'il côtoie. Qui chaque soir, quand il dort, il se sent prêt à partir au cas où il part cette nuit-là. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le plus intelligent la plus intelligente des personnes, c'est celle qui se prépare, qui se rappelle le plus souvent la mort, et qui se prépare le plus à la mort, en faisant des bonnes actions, en ayant une foi correcte et en faisant des bonnes actions. Pour finir, serviteur d'Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui fait de tous ses soucis un seul souci, le souci de l'au-delà, Allah lui suffira les soucis de ce bas monde et les soucis de l'au-delà. Celui qui a le souci de l'au-delà, c'est celui qui se soucie d'être toujours juste dans tout ce qu'il fait, de toujours faire ce qu'il fait de la manière qui plaît à Allah, et de ne jamais mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il fait ou dans tout ce qu'il délaisse. Celui qui a ce souci-là, Allah lui facilite les soucis de ce monde et les soucis de l'au-delà. Sachez aussi, pour finir, que ce bas monde est un monde d'épreuves, de fatigue, de difficultés, de maladies, de soucis. Mais le paradis n'est pas gratuit. Les soucis, les maladies, les difficultés, les malheurs qui nous touchent, qu'est-ce que c'est en réalité? On va mourir, on va partir. Tout ceci, ça va être oublié. C'est rien. Tout ça, on va le laisser derrière nous. C'est une demi-journée. Yawm al-Qiyam, quand on va demander aux gens, c'est combien de temps ils ont passé sur terre? كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Un jour, une partie de journée, on est resté. Tu es prêt à vendre l'au-delà contre une demi-journée, le paradis éternel, sans malheur, sans maladie, sans vieillesse, sans tristesse, sans haine, sans souci, sans mort, sans guerre, sans peine,
Tu es prêt à vendre l'au-delà contre ce bas monde qui n'a aucune valeur? Réfléchis bien, serviteur d'Allah. Et lève les manches ici, dans ce monde, avant qu'il soit trop tard. Par un repentir sincère envers Allah de tous les péchés, les grands et les petits, et un attachement à ses obligations et à la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car la seule réussite est dans ce chemin-là. Il est clair que c'est un chemin parsemé d'embûches. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis, il est parsemé des difficultés. Il est caché par les difficultés. Comme l'enfer, il est caché par les passions et les désirs. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما.